Yes! Alors pour commencer ce live, on va dire que cette personne ici présente a de superbes chaussettes. Flashy chaussettes! Allez, bienvenue pour ce live. Donc on a du monde qui est venu nous rejoindre ici pour faire un petit tour dans l'arrière-salle. On va peut-être choper les prénoms parce que quand même, moi je ne sais pas qui s'appelle comment. Fais passer le micro éventuellement. Bonsoir Toulouse, je fais passer le micro. Merci Lionel. Bonsoir, moi c'est Gaëlle. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir, moi c'est Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir, moi c'est Mathias. Bonsoir Mathias. Bonsoir, moi c'est Daniel. Bonsoir Daniel. Voilà, c'est donc. Faux, c'est un imposteur. Je l'ai reconnu, voilà, c'est l'homme que l'on nomme Rez. Ça fait 2 ans que je suis alcoolique et que. Bon, bref. Bref, on est là pour ce soir pour Sailors at Sea et Bison Bison qui n'ont pas tardé à commencer. Tu le dis à l'américaine. Ouais, et Bison Bison qui vont pas tarder à commencer. Ok. Bison okay, Bison. Okay. Ouais, ça... Carrière internationale directe. Je sens que ça plaît, bon. Tu vois. Je... Bien, accrocheur, ça fait... bien joué. Ça fait plaisir, tu vois. Bon, on va peut-être en profiter un petit peu. Si, on entend un peu s'il hurle, mais on va. Mais voilà. On va en profiter pour raconter donc les prochains, yeah, les prochains événements qui vont avoir lieu. Donc le 21 septembre, allez, pour les 18 ans d'AZF, on va faire. Le... Ah eh bien, n'oublions pas. Eh oui, 18 ans déjà. Ce sera donc le collectif Sun and Rags qui vont faire leur première release party. Oh. Ce sera ensuite le 26 septembre, on aura Nate Wood qui va passer sur Toulouse, donc c'est un jeudi. Le 5 octobre, on aura 3 groupes, Evil Minded, Pulsion et Morgan Rode qui vont passer dans le coin. Et en... bah vas-y, mais passe, c'est pas grave, on te voit. Le 11 octobre, notez bien, on aura Slam Jam qui va faire son premier épisode. Le 12 octobre, et le lendemain carrément, on aura un concert de post-wave, de post-punk. Ce sera la mère Denis qui a passé. C'est la mère Denis qui est parmi nous ce soir-là ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est la mère Denis qui passe. D'accord. Est-ce qu'elle n'aurait pas perdu un truc ? Eh, Chris arrive, et super. Et on aura aussi le 15 novembre, tombe pas dedans, le concert de Rebirth, qui est un tribute rock progressif. On fait des cascades à la prod, ça veut dire que les gens sont déjà chauds en attendant ces dates. Exactement. Super. Alors, est-ce que vous êtes chauds ? Vous êtes chaud ? Vous êtes chaud ? Ouais. Ok, parce que là, ça va être à Bison Bison de commencer. J'ai senti moi, un soupçon de brandy qui s'enflammait, mais peut-être que maintenant, Bison Bison va déclencher le grand feu. Alors, est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Ça fait vraiment émission de télé, j'adore. Alors voilà, c'est ça. Après. Non, on va l'embêter alors, après. C'est pas encore l'interview. Très bonne initiative, mais normalement, concert. Merci, mais, Daniel. Voilà, on sent l'esprit d'équipe. Les copains sont un soutien. Ça fait plaisir. Mais d'abord le concert, ça y est, il se chauffe la vocalise. Ah. Hein ? Eh ben, on peut regarder le live sur YouTube. D'ailleurs, c'est actuellement, on est sur YouTube, mais sur ton téléphone. C'est quelle chaîne ? C'est la chaîne quoi ? La chaîne Axis Music. Axis Music. Mais oui, live, mais oui, AML. Ok. Mais en même temps, si les gens regardent, ils le savent déjà, puisqu'ils sont dessus. Ah oui, d'accord. Ok. C'est vrai. C'est pas enregistré. Non, c'est okay, ça. On est en direct. On est en direct. C'est génial. Tout j'adore. Le monde te voit. Super. Tout le monde te voit. Magnifique. Au plus profond de toi. Est-ce qu'on voit Bison Bison ouais, on les voit en haut à gauche là, de l'écran. Bison Bison, sorry. Carrière internationale, déjà le premier concert. Et de suite, la carte internationale. La carte internationale. Ouais, c'est ça. On veut lancer les groupes. Nous, on est des fous. On veut que ce soit international. Parlons pas français. Voyons grand. Le chat fonctionne. Le chat qui arrive, ah, on nous super, dit. Alors, par contre, je ne le vois pas parce que c'est sur le petit écran. Donc, vous pouvez chatter, vous pouvez communiquer, vous pouvez écrire yes. pendant l'émission. C'est maintenant. Mais bien c'est sûr. Énorme, quelle époque moderne. Avec une petite latence. Parfait. Ça part de là ou pas ? Ça part de là. Ah bah c'est super. Bien, bah tu nous dis quand est-ce qu'ils sont prêts à partir ? Parce qu'on aimerait bien les entendre. Il faut passer le mot. Est-ce que la régie pourrait faire passer le mot ? Est-ce que vous pouvez partir. Leur dire ? Bison, Bison, mais je crois qu'ils sont déjà partis. Est-ce que vous pouvez leur dire que c'est bon, ils peuvent commencer à jouer ? Sur mes routes sauvages. Oui, on peut le dire, oui. C'est pas une blague. Il y a les fans de Mathias ce soir. C'est génial. Moi, je peux garder le micro toute la soirée, mais en même temps, il faut peut-être que les mecs y jouent. Il va falloir que ça décolle. Il va falloir envoyer du son. C'est génial. Ils sont déjà partis. On a 30 secondes, mais c'est normal, il y a toujours 30 secondes de décalage en général. Ça part de là. Ça part de là. Ça commence quand, Bison ? Mais ça commence bientôt. Axis Music. La chaîne du suspense. Access Music. Bien. Eh ben allez-y si vous voulez. C'est donc là que ça se passe. Super.
Merci à vous. T'as une petite place ici, on te verra beaucoup mieux, je pense. Vas-y. Mais là, il va falloir cesser de nous voir. Ah, on va arrêter de nous voir, on va arrêter de parler. Et... C'est maintenant. C'est parti. Avec des anges rouges, l'aigle sur le rocher, on monte l'horizon, pour mon volage, la chasse sortit-le, et on jette des nouveaux-nés par-dessus les palpes. Nous buvons l'eau tiède, pleine de terre. Dans la poussière, et on prie pour que revienne le bison. Bison.
Merci les amis, merci d'être montés, il le fallait. D'accord. En fait, ça, tu faisais play, tout le morceau. Alors n'hésitez peut-être pas à vous rapprocher pour faire croire qu'il y a du monde. De toute façon, après, voilà, on fera pareil, tout pour... Enfin non, quoi qu'il va y avoir peut-être plus de monde. Voilà, nickel, comme ça, la vidéo, voilà. Voilà. Leurs succès éphémères.
connu tous les progrès et les regrets aussi. Les vieilles utopies qui s'éteignent sans bruit. Et puis l'effervescence au début des histoires. Quand le fantasme est plus fort que l'objet du fantasme. Le fantasme plus fort que l'objet du fantasme. Le fantasme plus fort que l'objet de l'infini comme une. De Fagot sur les bacs, un enregistrement, un vieil enregistrement qu'on a conservé. C'est quand même superbe. Hey. Sinon, pas d'extase. Are you alive? Hey. Are you alive? Pas le temps de bailler, sinon pas d'extase. J'entends carrément le murmure qui nous presse, nous enchaîne pour ne former qu'un seul corps. Et le flow sans effort nous pousse enchaîné et nous laisse bercer, éperdus, enivrés, en
emporter, j'entends. Sous les balcons, les bas-fonds font la fin. Sous de la mèche, mille nains. Sous les balcons, les bas-fonds font la fin. Et font griller des pêches jusque tard dans la nuit. Sous les balcons, les bas-fonds font la fête. Se délectent de l'humus millénaire. Sous les balcons, les bas-fonds font la fête. Et font briller des pêches jusque tard dans la nuit ou dans le ciel. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Toutes nos mains restent soudées. Et parfois soulevées, nos corps enlacés s'envolent et retombent bercés et perdus en ivres. Les balcons, les bas-fonds sont là. Mr. Pink is alive. Mr. Pink is alive. Sous les balcons, les bas-fonds sont là. Se délectent de l'humus millénaire. Sous les balcons, les bas-fonds sont là. Se délectent. Dans la nuit ou dans le ciel. Entraîné par la foule. Hey, mademoiselle Fago. Qui s'élance et qui danse. Martin in English, and maybe you want to have a first guy in this way to get it all done. Dans tes oreilles, il te réveille parallèle et tu
redevient à toi. Je te dis ça, comme ça. C'est ça. À toi, quand je te vois. C'est ça. Je me fous de quoi j'ai l'air. C'est ça. Je me fous de quoi j'ai l'air. C'est ça. Je me fous. C'est ça. Je me fous de quoi j'ai l'air. C'est ça. Je me fous de quoi j'ai l'air. On prend leur solitaire. Bien heureux, ordinaire. Je me fous de quoi j'ai l'air. Quand on s'envoie en l'air avec Muriel, Isabelle, Miguel et Sacha. Je me fous de quoi j'ai l'air. Dans les ministères, dans le quartier d'à côté, là où on ne fait jamais. Je me fous de quoi j'ai l'air. Quand je suis au piano, que mes doigts touchent les blanches au vétampo. Ouais, c'est ça. Quand je te vois jouer comme ça, hey, je te dis ça, comme ça. À toi, quand je te vois, c'est ça le son. Et pour toi, il vit dans tes oreilles, il te réveille, et tu redeviens toi. C'est ça le son. Et pour toi, il vit dans tes oreilles, il te réveille parallèle, et tu redeviens toi. C'est ça le son est pour toi. Ah, je te dis ça, comme ça, à toi. Hey, hey. Oh, je me fous de quoi j'ai l'air. C'est le morceau du lâcher prise, n'est-ce pas? Alors, étendez-vous et foutez-vous de tout. Je me fous de quoi j'ai l'air. Comme Richard Gottener. Comme Mylène Farmer. Je me fous de quoi j'ai l'air. C'est ça le son, c'est pour toi. Patrick Devers. Je me fous de quoi j'ai l'air. Tu te fous de quoi t'as l'air? Je me fous de quoi j'ai l'air. 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 Mais comme qui? Tu te fous de quoi? Comme le prince de Bel Air. Comme le prince de Bel Air. Est-ce que quelqu'un veut se faire un je me fous de quoi j'ai l'air? Je me fous de quoi j'ai l'air, comme Rabier Sotomayor. Je me fous de quoi j'ai l'air, comme Mathias Cousillard. C'est à cause de ça les chaussettes en fait. Les chaussettes en fait. Les chaussettes en fait. Les chaussettes en fait. Tous sont les 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 en fait. Allez, allez, on déenchante, on joue à celle-là. Allez, allez. We'll be right back.
J'avais compris le concept. Je me fous de quoi j'ai l'air. Comme Didier Super. Ça, c'est une fin. Je me fous de quoi j'ai l'air. Hein. Bravo. Bravo, Stéphane. Docteur Balagan, s'il vous plaît. Mon Dieu, tout fait chaud. On est sur un nouvel air. Ça va? Ouais. Ok. Approche, 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 prends-moi, avale-moi, digère-moi et réponds-moi comme un virus, une épidémie, une ombre, un cri. À chaque lit, de chaque oreille, à chaque seconde. Allez, que vive à travers toi mes sons et mes messages. Hey, rien d'autre que ta voix. Come on, d'origine, passage et danse, 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 danse. Come on. Get it. Yeah. Tu voles. Dans l'air, la terre, mais laisse rien fermer, laisse les sons passer et vibrer ton squelette. Sois comme tout léger au-dessus de l'eau, là-haut, allez, tu laisses le vent souffler dans tes voiles. À toi le nouvel air, nouvel air, notre nouvel air. À toi le nouvel air, nouvel air, notre nouvel air. À toi le nouvel air, notre nouvel air. À toi le nouvel air, notre nouvel air. À toi le nouvel air. À toi le nouvel air de notre nouvel air. À toi le nouvel air de notre nouvel air. À toi le nouvel air de notre nouvel air. C'est ça. Come on.
Pass the peas, come on. Pass the peas. What? Pass the peas. Like we used to. Used to. Merci les gars, merci les filles, c'est super. Nouvelle configuration avec Martin, yeah, ok. Martin. Bon, intéressant, hein, toujours les aventures hein, qui débutent, hein, c'est toujours excitant, le fantasme est plus fort que l'objet du fantasme, toujours, c'est très excitant le début. Je préfère d'ailleurs toujours les débuts que les... Enfin, j'aimerais toujours faire des débuts, en fait. C'est ça, c'est pour ça qu'on se drogue, en fait. C'est pour ça qu'on boit et tout ça, pour oublier qu'on a fait un début, il n'y a qu'un début, il n'y a plus, voilà, c'est fini, quoi. Il y a un seul début, quoi. C'est là où je plombe parce qu'il y a un morceau qui tombe. Oh, pardon. Alors bon, il y a quelques temps quand même à la Dynamo, vous vous rappelez, Raph avait tué Frida Loca. Hein. Exactement. Dans l'épisode précédent. On a beaucoup hésité à faire ce morceau parce que voilà, on se disait sans Frida, quel intérêt ça, tout ça, etc. Voilà. Une histoire. Mais, hein? Alors c'est un reboot, mais c'est beaucoup plus rapide, c'est plus moderne. C'est-à-dire qu'avec ça, c'est la suite. Alors. Avec ça, je deviens Frida direct. Mais vraiment, Frida, t'as tu l'as vu Oui. Elle a mal fini. Hein. Hyper rapide, t'es toujours pressé. T'as dans ta caisse ton carrosse métallique. T'as qu'un seul dieu, on l'appelle le fric. Et tu dévoiles ta vie sur la toile. Tu balances sur des billes saturées. Prosterné devant la lumière bleue. Rempli de transformation génétique. Tu choisis de proie dans un troupeau de feu. Tu es moderne. Hey! Tu es smart. Tu es hype, baby. T'es une machine. Tu voles dans des boucles climatisées ou champagne. Tu cours dans des champs de tapis roulants. Dans les écrans, tu baises à la chaîne et tu quittes la campagne. Tu es populaire, ah. Tu soignes, tu mainstream, baby. T'es une machine. Tu seras fantastique.
Because t'es une machine. T'es une machine. T'es une machine. C'est de la déco, hein. C'est juste de la déco. Parce que c'est filmé, ouais. Bon, allez, on vous fait un morceau quand même assez, comment dirais-je, spécial. Il s'appelle L'Autre. Putain, tu m'as sifflé ma bière, quoi. Enfin, spécial, quoique. Bah, tu vas jouer. Ça dépend pour qui. Moi, tu joues pas. Bon, les gars, on le fait, après on débarrasse le plancher, il faut enlever le parachute, le bordel. Allez, go. Attention aux oreilles. Los niños reparan cuerpo. Los niños bajo las ramas conectan el cosmos. Los niños abren la puerta a otra conciencia. ¿Qué dicen los niños? Los
Yo oculto en el pozo tan profundo que se va a encontrarte donde todo comenzó un marinero. ¿Qué dicen los niños? Solo dicen la verdad. Que oculto en el pozo tan profundo que se va a encontrarte donde todo comenzó un marinero. Dicen los niños. Los niños repararon el mente. En el fondo del bosque. Los niños repararon el cuerpo. Y lavan los peces. Los niños bajo las nubes. Caminan el cosmos. Los niños abren la puerta a la otra conciencia. Chambre de sans ces noms, sans ces psalmodiés. Larmes de rivière au balcon des intimes révélations parmi les sons de l'espace qui ont fait craquer le cocon. La peau de tambour a vibré électrisant l'au-delà. Les mystiques champignons doucement quittent la maison. Les mystiques champignons doucement quittent la maison. Los niños reparan el cuerpo, reparan la mente. Se la verdad que mucho es el pozo tan profundo que se da. Hey, on est de retour avec Daniel. Daniel. Est-ce que je m'entends? Oui, ça y est, je m'entends. Daniel est avec nous. Bon, bah écoutez, c'est 1-1, ok. 1-1, ouais. C'était ma sécurité dans la voiture, cool, bise. Ok. Bon, on leur dira quand ils passeront dans le coin. Evelyne, ouais. Eh ben écoutez, bah, merci à tous. En tout cas, bonjour à tous ceux qui sont sur le chat, hein, parce que c'est vrai qu'on... On n'a pas pu le refaire pendant qu'il jouait parce que bon, il s'est joué. Evelyne Van Hoof, petite dédicace. Bonjour à toi. Ouais, je sais qui c'est. Tu sais qui c'est ? Ah, ouais. Bien. Salut Eve, je te fais un bisou. Donc c'était Bison, enfin Bison, qui vont. Ah, moi j'y tiens. Hein. Moi j'y tiens. Ah ouais, mais toi là, tu seras mieux. On te verra. Ah oui, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Ils vont arriver. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est brillant. Le lavabo. Je me cruche un peu dans l'interview parce que j'ai quelques questions à leur poser. Ouais, mais vas-y. Au niveau des influences, du travail, de composition, de tout ça, parce que ça m'interpelle assez comme sonorité. Je sais pas si tout le monde a un peu écouté. C'est assez spécial. On va pas dire que c'est de la zik assez accessible à tous. Ça reste quand même assez pointu, je trouve. Mmh. Moi, j'ai trouvé ça bien, bon son, bon équilibre. Mais voilà, je suis quand même curieux de savoir comment ils arrivent à ça ensemble.
j'ai des questions. Moi, je suis un peu du milieu, du coup, je vais pas les piéger, mais il y a des trucs que j'ai décelés, j'ai besoin de réponses. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. Hein. Bah, c'est-à-dire que, ouais, donc, ce qu'on voit, il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de matériel, notamment ceux qui font un petit peu de musique un peu électro, ils ont repéré qu'il y a du native instrument, il y a du machin. Enfin, c'est vraiment des trucs faits pour fonctionner avec des. Ah, les bières. Bonsoir. Salut. Bonjour, Lionel. Il amène quelques rafraîchissements belges. Pour la sortie. On les dit à chaque fois, mais quand on les interview, les mecs qui sortent de la salle, où tu vas, Cous ? On te voit. Interdiction. Et donc à chaque fois, quoi, les mecs, on leur tombe dessus, les gars, ils n'ont pas repris leur souffle. C'est ça. Mais toi, tu viens de courir aussi. Mais allez-y, mais installez-vous. Réinstalle-toi. Ah ok, c'est ok. Bon bah c'est ok. Ah voilà, c'est ok. Ouais d'accord, ouais, on va pas montrer, c'est une voilà. Ah bah c'est le taulier qui a raison. Attends. On représente ROZ, pardon, je te passe le mic parce qu'on t'entend pas, il n'y a que moi qui t'entends. Ouais mais nous on t'entend. Mais les gens là-bas ne t'entendent pas. Parce qu'il y a du monde qui a... Je te passe le mic. Parler, fais-lui un petit coucou. C'est Eve qui est en train de nous parler. Ah oui, tout à fait. Ouais, absolument, ouais. Mais il fait. Alors, tu as envie de dire qu'il fait le con comme d'hab. Hein. Il fait du taf aussi un peu, il a pris. Oui, c'est vrai. Il est en train de faire un clip du live. Ouais, non, c'est bien. Il a fait moitié-moitié. On le surveille, il est bien. Il se comporte bien. On est content de voir que toi, t'es là, tu suis, quoi. Suivez-nous, interagissez, hein, avec ouais. Nous. Voilà, ça se dit. Bah on est là, alors, on n'a pas les yeux à 100% pardon, permanent sur le chat, mais en tout cas, on vous regarde et on vous répondra. Enfin, du mieux qu'on peut. Bon, les gars, avant qu'ils arrivent, une petite question. Donc, Daniel. je t'écoute. Ouais, justement, ouais. Est-ce que t'aurais... un album en particulier que t'aimerais partager, recommander, un truc qui t'a marqué, un album de musique qui t'a marqué. Alors, c'est pas forcément le seul album, mais un album. Écoute, tu me poses cette question, mais j'ai en écoutant ce qu'ils ont fait ce soir, ça m'a évoqué un album que j'écoutais longtemps quand j'étais plus jeune. J'ai trouvé des sonorités un peu communes. Je pensais à l'album de Portishead, Demi, parce que j'ai trouvé 2-3 morceaux avec une espèce d'ambiance et d'atmosphère assez assez trip-hop, assez sombre. Bon, le chant complètement décalé, par contre. Ah ouais. Jérôme, c'est un homme de scène, un homme de spectacle. Ah oui. Rien à voir avec les vocalistes de la chanteuse de Portishead, mais au niveau de l'instrumentation, au niveau de l'univers, je sais pas ce que t'en penses, Cous, mais j'ai trouvé qu'il y avait, tu te rappelles, il y a un morceau qu'ils ont fait, je te dis, putain, on dirait Portishead. Il y a un côté caisse claire étouffée, beat filtré en démarrage d'introduction qui me fait penser vachement à ça. Avec cet univers un peu mélancolique, ces sonorités assez sombres. Yeah, il y a ce groove en fond, hip-hop, trip-hop de Bristol des années 90. Il y a un truc. Donc voilà, tu me poses cette question, moi je te dis le demi de Portishead. On va laisser place un peu aux Icos parce que les vrais artistes, c'est eux et pas nous. Bienvenue. Il est quand même essoufflé. Bienvenue Martin. Alors qu'il fait que de la guitare. Attends, Martin, reprends ton souffle. Je vais juste le temps que tu respires un peu parce que tu sors du marathon. Là. Le batteur, je vais répondre au Cous. J'ai trouvé qu'il y avait cette sonorité anglaise que tu as décrite, Portishead. Et il y a un truc. Ouais, Portishead, on dit dans le milieu. Portishead. Ah, écoute, je me suis fait rattraper quelques fois. Ça y est, c'est rentré. Par contre, il y a un truc, une touche française qui arrive un petit peu pimenter la sauce. Et moi, des fois, quand je regarde l'interprète, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce Philippe Catherine ? Non, mais c'est pas... Mais c'est pas une insulte, hein, Philippe Catherine. Hein. C'est mais j'adore... Non, mais quand je dis ça, c'est qu'est-ce que c'est que cet ovni ? Il est au-dessus de la musique, mais non, il fait de l'art contemporain. Quoi. Oui, c'est, non, voilà. Mais voilà, c'est bien quand il dit le morceau, c'est je m'en fous de ce qu'on peut voir, en fait. Voilà, voilà de quoi j'ai l'air. Il le vit plutôt bien, hein. Je crois que c'est le cri du cœur. Oui, mais c'est ça. Il y a une des introductions que vous avez fait, un des morceaux, qui m'a fait penser à l'ambiance et l'atmosphère de Portishead. Avec, tu sais, cette caisse claire un peu filtrée, un peu saturée en démarrage, avec des nappes un peu sombres. Ça m'a fait penser à ça. C'est pas du tout le même style que vous faites, hein. Parce qu'il y a un côté visuel et théâtral
du chanteur lead qui casse un peu le truc. Mais il y a quelques similitudes. Mais après, je connais le gars aux machines depuis longtemps. On pratique ensemble de la musique et je sais qu'il a ses inspirations aussi en lui et dans ses créations. Quoi. Donc, là, vous avez fait de la musique un petit peu ensemble, donc tu le sens bien, le garçon. J'ai deux, trois petites questions à lui poser, à vous poser, au groupe. Moi, je profite de t'avoir là parce que moi, c'est ma première rencontre avec toi. Et puisque les autres ne sont pas là, ils ne pourront pas balancer, ils ne pourront pas te baïonner, on va en profiter. J'ai quand même écouté ton travail avant de te rencontrer, comme je te disais tout à l'heure quand on s'est vu. Et la question que moi, j'ai à te poser, par exemple, c'est quelle influence tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Tu viens de Goudou, de quel milieu en tant que guitariste ? Ouais, nous on t'entend, mais les gens ne t'entendent pas si t'es pas dans le micro. Bonjour. Présente-toi, prénom. Du coup, moi c'est Martin. Voilà, Martin. Et alors moi en fait, c'est un peu particulier. En fait, je suis rentré, j'ai fait la fac de jazz en fait au départ. Donc je faisais un peu du manouche au départ, puis après j'ai fait des trucs un peu plus. Enfin moi je fais plus un peu des trucs un peu funk. Groove un peu moderne quoi, jazz moderne un peu quoi. Enfin, je sais pas trop comment dire quoi. Les trucs un peu perchés, un peu dans l'esprit genre Snarky Puppy et trucs comme ça. Ouf. Ouais. Et Snarky Puppy quoi. Et voilà quoi. Et sinon j'écoute à fond de gros blues aussi là, de plus en plus là. Enfin, un mec en particulier en blues. Mais genre c'est un peu fusion quoi. Mais c'est Scott Anderson quoi. Ouais, alors là. Tribal Tech, son ancien groupe, c'était Tribal Tech. Ouais, là alors, bon, je suis un gros fan de blues, mais alors, je viens de me poser une colle monstrueuse. Donc là, ça veut dire que je vais rentrer chez moi et que je vais aller sur Google. Bah, c'est pas vraiment blues. Enfin, il phrase blues comme il faut. Et ouais, mais sinon, c'est à fond de fusion. Et moi, j'écoute un peu plus de fusion et j'écoute beaucoup de. Ça n'a rien à voir. Si, je vois qui c'est ce mec. Enfin, j'ai vu sa tronche. Hein. En hip-hop en ce moment. C'est assez moderne. J'écoute l'album de Dinos, c'est un mec de maintenant. Et il y a des purs sons. Quoi. Mais après, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu chantant aussi. Ça me plaît bien. Quoi. Ouais. Mais voilà, ouais. Ouais, bah, y a des morceaux pas mal boom bap. Vu que c'est un mec. J'ai quand même ce côté un peu tradition boom bap que je kiffe bien. Ouais. Et voilà, quoi. Ok. Et sinon, moi, c'est plus. Ouais, c'est plus. Que je joue en dehors, c'est plus fusion quoi, un peu moderne. Fusion, fusion, que ce soit violent, pas violent, ça dépend. Enfin, il y a plusieurs trucs. Ouais, mais moi c'est plus groove quoi. Enfin, là, je commence de plus en plus à me mettre un peu plus vers le rock. Enfin, j'ai monté un projet là de. C'est un peu blues rock, un peu stoner par moment quoi. Ouais. Mais assez, je sais pas trop comment dire, assez moderne avec. Au final, pas mal de mesures, pas à quatre, fin, composées, voilà quoi. Et voilà, ouais. Après, c'est vrai qu'en matière de fusion, enfin, il y avait un groupe français qui s'est arrêté en 2007 malheureusement, et qui était assez particulier, ça s'appelait Freedom for King Kong. Je sais pas si ça évoque des noms. Ah ouais. Voilà. Il y a plein d'électro et tout dedans. Quoi. Voilà, mais le truc c'est que généralement, je vais faire mon moment ouin, mais c'est chaque fois que je dis le nom de ce groupe, tout le monde est là, genre, qui se. Alors que putain, les mecs, ils ont fait 4 albums et je m'entends vachement bien. Et Ouais. On parle bien dans le micro. Non mais voilà. Ah mais il y a fond de délire drum and bass en plus dedans. Oui, enfin, il y en a quelques-unes, genre Phénomène, Sodocratie, enfin c'est des... Ouais. Bon, après t'as aussi... Sodocratie. Indaré des fesses. J'ai écouté ça au lycée quoi. Ouais mais voilà, mais ça par exemple, ça fait partie de ces trucs où les gens te disent ça vient de Rage, ça vient de ci, ça vient de ça. Mais bon voilà, moi tu vois, tu me parles de fusion, on est en capture d'écran sur le côté. On a planté. Ah, Lionel a planté avec une gueule. Ah les gars. Non mais ça va, tu vois. Non mais moi j'aime bien parce que ça me fait un côté négrec, tu vois, c'est pas mal. Non bref, je déconne. Et du coup, tu nous as parlé de Scott Anderson. Est-ce que toi, tu vois, j'ai posé la même question tout à l'heure, mais un album, tu vois, par exemple, qui t'aurait bien marqué, alors n'importe lequel, hein, mais un album qui t'a marqué. Un album qui m'a marqué. Ouais, dans le micro, si possible aussi. un album qui m'a marqué en termes de guitariste, quoi, parce que. N'importe lequel. Avec lequel j'ai fait l'amour. Ça fait mal. Je préviens, ça fait mal. C'est difficile, ouais. Non. Non, il faut reprendre le. Reprends ce que je dis. Salut Stéphane. Ah, c'est une stab à la gamme. Ah, les phares. Yo, Beatmaker est là. Assieds-toi, il reste de la place. Mais installe-toi, vas-y. Si je dis, j'ai pas montré de bière, ça va
Avec une bière. Donc ouais, ouais, même en tant que guitariste, toi. Ouais, ouais, bah c'est... J'ai vu, ouais. Ouais, j'ai fait quelques longueurs, là. Mais moi, en vrai, c'est... Rien à voir, mais c'est Led Zepp, en fait. Non, mais bien sûr. C'est... tous les albums de Led Zepp, je surkiffe. Ouais, mais j'ai entendu 2-3 leaks, je me suis dit... Ouais, Jimmy Page derrière, là. Un peu, ouais, ouais, j'aime bien ce truc. Ouais, ouais, après j'ai pas méga la culture comme ça, faudrait que j'en relève un peu plus, quoi, mais sinon bah, après ouais, ouais, après l'album de Scott, quoi, j'ai 12 ans, ouais. Mathias, ça se voit. Tu viens te présenter, tu fais le sauvage. Mathias me dit qu'il faut qu'on parle plus dans le micro. On va signer ta fiche de stage. Valérian, comment ça va? Ouais, ça va super. Vas-y. Je suis content de vous retrouver là, c'est plutôt cool. Ouais. Bah, c'est notre première reformation de Bison Bison avec Martin, Tintin à la guitare, qui assure grave. Martin assure grave, oui. Et ouais, je suis bien content écoutez, d'avoir votre retour, si vous êtes devant la vidéo, pour savoir ce que vous en avez pensé. Eh bien, écoute, on a le chat en bas, donc si les gens ils nous on écoutent, on a le chat. Evelyn Van Hoff nous dit, moi, qu'est-ce qu'il faut sur scène Costilière. Costilière, c'est du... Costilière c'est... ne donnera pas la réponse ce soir à Evelyne. Yo. Ouais, non, super content. C'était une belle petite expérience. C'est surtout le groupe qui va y avoir après. Les Sailors on the Sea. Il y aura Sailors at Sea qui va jouer juste après. At Sea, Sailors at Sea. Donc là, on ça va déplier. Ouais. Non, mais vas-y. Le leader... Jérôme va nous rejoindre. Lionel Castro, le leader du groupe Bison Bison qui fait des Bison Bison qui fait des concerts à Axis. Voilà. On avait dit tu fais pas de. Jérôme, présente-toi. Tu as quel âge? Tu nous appelles d'où? Eh ben j'ai 21 ans. Il dit des gros mots ton papa. J'appelle de Lille. Et bah là, le plan, là on est en train de papoter tranquille le temps que Sailors at Sea se lance, et puis vous, le temps que vous séchiez un petit peu, parce que on va pas se mentir, il fait chaud. Ouais, ça sent l'homme là, c'est fou. Ouais, du coup. Oh là, le manager là. Est-ce que t'as de la promo à faire? Alors, moi voilà, j'ai quelques petites questions déjà à vous poser. Premièrement, qu'est-ce que vous avez pensé de votre prestation? Comment s'est passé le concert pour vous? Non, mais nous, on n'a pas regardé. Vous? Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous avez kiffé? Ok, moi, je peux dire un truc, c'est qu'il faut que j'arrête de chanter, parce que c'est complètement faux. Ah, il y a eu de l'évolution? Non. Si. J'ai voulu faire des bacs par surprise, parce que je le fais jamais en répète. Et le truc, c'est que c'est pas du tout travaillé. Donc voilà, je vais arrêter de chanter. Bon, alors tu devrais pas, c'est faux. Ouais, moi je suis pas d'accord parce que ça se travaille, évidemment ça se travaille, mais tu l'as senti, tu l'as fait, c'est bien, et t'es sur scène pour ça, pour faire des choses qui te traversent, et je pense que tu l'as senti à ce moment-là. Tu l'as donné, tu l'as fait. Mais non, c'est pas qu'on est sympa, c'est que si tu fais pas faux, j'aurais gueulé, moi, tu le fais quand. Après, si tu le travailles, évidemment ça se travaille un peu à répéter, mais là tu l'as senti et blam, tu l'as sorti. C'était faux, mais c'était bon parce que c'était La bière sur l'entrejambe. Quel enculé, t'as vu comment il est. Mais c'était... putain, c'était vrai, quoi. C'était vrai. C'était vrai. C'était... Bon, bref. Jérôme, toi, qu'est-ce que... Comment tu t'es... Alors voilà, moi, je vais te dire, le concert s'est bien passé. On a fait très peu de pain. Steph, des fois, il faut qu'il travaille dans cette configuration-là, en répète. Voilà. Et ensuite, on a fait un bon petit concert. Je trouve que c'était bien. C'est juste, on va parler du clavier. Je pense juste au niveau jeu de scène. Bon, au concert, je trouve ça va, on s'est bien démerdé. Mais c'est au niveau l'organisation du set, ce qu'on disait tout à l'heure. Et au niveau jeu de scène, peut-être au niveau des transitions, quoi, faire des trucs un peu plus. Ouais, voilà, soigner. Mais ça, c'est un autre travail. Moi, j'ai une question justement à vous poser. Avec les machines, parce qu'on est plus sur une configuration de groupe normale, quelque chose de classique où ça laisse une part d'improvisation, quelque chose d'un peu free. Comment ça se passe la composition et le travail avec les machines? Parce qu'évidemment,
ça vous limite un peu, quoi. Une machine, moi je les connais, j'ai pratiqué, il y a des séquences qui se lancent, il y a des choses qui sont assez cadrées, un tempo à suivre, des choses assez techniques à tenir. Mais en fait, comment vous faites, ouais. Comment on, vous faites, on a eu deux types de configurations. La première où c'est moi qui me suis greffé à Bison Bison, auquel cas il a fallu que je me greffe et que je fasse les instrus sur ce qui avait été fait. Et la seconde, c'est mes compos sur lesquels eux viennent ensuite se greffer, chanter et trouver l'inspiration. Voilà comment on travaille clairement. Mais c'est vrai que tout est préparé. À l'avance, hein, évidemment, pour ma partie, très peu de jeux de live, quelques-uns sur des effets, en fait, voilà. Et tout est composé au préalable, voilà. Après, si tu veux, l'objectif, c'est quand même d'arriver à jouer en live tous ensemble et d'arriver à avoir une base, si tu veux. Ouais. Allez, parce que sinon, on n'entendra rien. Mais quand même, de pouvoir justement avoir cette liberté de l'improvisation, parce qu'au départ, ça a été chaud de sortir, si tu veux. De l'instrument avec batterie et tout ça, où on est libre, grave. Et ça bride un peu, ça bride. Mais c'est pour ça que je dis, j'aimerais qu'ils puissent jouer plus pour qu'on ait une base, un morceau, voilà. Mais qu'on puisse être aussi libre de faire, peut-être tu fais descendre, ce qu'on fait quand on plus se sentir, quoi, tu vois. Avec la. Voilà, comme ça. Je sais pas si vous travaillez avec le sampling ou c'est entièrement de la composition, toutes les sonorités sont complètement composées. Il y a très peu de sampling. Donc après, ça, je pense que ça laisse une marge assez restreinte au niveau de l'improvisation. Et forcément, il y a une ligne qui se déclenche, tu vois, il y a un lead, un truc. Mais ça se travaille. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé la. J'avais une question pour le beatmaker. Ce fameux clavier. C'est ce fameux clavier qu'on a vu sur scène, Couze. Je vais poser une question au beatmaker. Alors, il a servi. En fait, c'est un instrument. C'est pas un instrument. Moi, je suis pas du tout instrumentiste. Hein. Je ne sais pas me servir de mes doigts. Je ne sais pas tenir le tempo. Donc, c'est quelque chose qui me sert dans la composition et sur scène, sur deux morceaux, deux intros avec des petits sons comme ça que je cale, c'est-à-dire quatre notes que je cale. Et en réalité, ça sert essentiellement de relais. Morceaux, après, J'aimerais bien qu'on m'interrompe pas quand je parle, s'il vous plaît. Excusez-moi. ça sert essentiellement de relais MIDI pour la box de Jérôme. Voilà. Donc c'est moi le clavier maître. J'envoie du MIDI à Jérôme et Jérôme est mon esclave, en fait. Voilà, ce que j'adore, qu'il soit mon esclave. D'accord. J'en fais ce que je veux. Ça, voilà, c'est notre histoire, les gars. En tout cas, quand on a ça visuellement, quand il y a cet outil à côté de toi que tu ne le touches pas du tout, vraiment on se dit, c'est peut-être monsieur Rocancourt qui est venu faire de la musique. On ne sait pas. On s'est posé la question une ou deux fois. Il faut qu'on travaille. Alors, on va pas vous squatter pendant longtemps. En tout cas, sachez que nous, on a kiffé. On a passé un bon moment. Ça fait plaisir de vous voir sur scène. Moi, vraiment, j'ai kiffé, les gars. Ça m'a fait plaisir. Mais vraiment. Parce que j'ai eu que des petits. Ouais, c'est une belle surprise pour moi. Je voulais avoir un petit mot global sur quelle est votre principale influence sur ce type de musique. Est-ce que c'est donc Annie Cordy pour Jérôme? Normal. Moi, mes influences. On m'entend là? Ouais. Mes influences, c'est très Crush et Tobin, tout cet univers-là de l'époque que j'aime beaucoup. Je pense que j'ai envie qu'on prépare, je ne leur ai pas encore proposé, quelque chose sur un sample de Kate Bush, des violons de Kate Bush. Je sens qu'on va pouvoir travailler là-dessus, sur les influences. Voilà. Donc je disais Crush, Tobin, mais il y en a d'autres, on ne va pas tout passer en revue. On aime le trip-hop, mais le rock aussi. On aime le hip-hop et voilà. Et Jules, non. Ouais. Lui, on vient de le connaître, hein, il y a quelques mois seulement. On sait pas trop. Vous voulez passer le vous voulez. Alors, est-ce qu'on annonce des dates le 21 septembre prochain? Non. Sound and Rag Release Party. À Axis Music. Ça commence à 20h30 et ça termine. Il y a deux groupes, Underground Therapy et ADKT. Addict, ah pardon. Ah, on voit pas le i. Ouais. Puis je porte des lunettes, je suis un peu bigleux. Donc Underground Therapy et Addict le 21 septembre à Axis Music.
Netwood à Toulouse, c'est ça? Netwood à Toulouse. Netwood, organisé par Buddy Drum Shop. Ah. C'est le batteur d'un groupe qui s'appelle Nibody. C'est la grosse frappe. C'est vraiment très très bien. Voilà. Allez. Je sais pas si on clôture l'interview, mais moi je voulais dire longue vie à Bison Bison. Vraiment, on a kiffé. Je vous souhaite plein de réussite, plein de composition, plein d'exploration, parce qu'on sent que vous êtes quand même dans la recherche artistique. Et ne lâchez pas. Continuez à nous faire rêver et à nous faire kiffer. Je vous kiffe, les potos. Yes. Bon, et bien là on peut entendre que Sailors at Sea est en train de commencer bien comme il faut. On a eu beaucoup de chance, c'était la première fois qu'on les voyait en live, c'était Axis Music. Et quel bonheur, groupe à suivre. Yes. Ouais. Mathias. Ouais. Ouais. Vas-y, installe-toi. Bon. Bonsoir, je m'appelle Mathias. Bonsoir. Ça groove, rapproche-toi chouchou. Yes, bon. Là c'est bon, ils ont fait un bon soundcheck. On continue un petit peu rapidement, on va dire que donc on a annoncé Nightwood le 5 octobre. Mathias, est-ce que le tu veux 5 octobre nous avons Evil Minded, ouais. Pulsion et oula, Morgan Road à Axis. Morgan Road, excusez-moi. Evil Minded, Pulsion et Morgan Road. Yes. Allez, on en profite aussi pour rappeler que le 11 octobre ce sera la première session de Slam Jam. Bien. Alors maintenant c'est